Alors ça y est, je suis prête, je vais aller rejoindre mes abonnés à la Storia. En fait, je suis pas du tout stressée, je pensais franchement que j'allais être stressée, mais non, ça va. Au contraire, j'ai l'impression que je vais aller, manger une pizza avec des amis, des copines, donc voilà, c'est trop cool. J'espère que je vais pas les décevoir parce que quand je connais pas, je suis un peu timide, donc c'est pas toujours évident, surtout quand tu sais que tu vas être un peu le centre de l'attention, quoi. J'espère que je les décevrai pas. Et en plus, à la Storia, donc Bruno et Christina, que j'adore, ils ont été super mignons. Ils viennent de m'envoyer une photo. Ils ont mis une photo de moi avec des petits cœurs, mettant Coco Vanille et tout. Et ils ont décoré, ils nous ont fait notre table exprès. Enfin, c'est super adorable. Donc, j'y vais. Donc là, je marche vers le bus. Putain, j'ai jamais tenu un truc comme ça en pleine ville. Les gens, ils vont se demander si je suis pas tarée. Oui, en fait, je sais même pas si j'approche pas trop le truc de moi. Donc là, j'ai à peu près 5 minutes de marche. J'ai à peu près 5 minutes de marche et puis faut que je passe cigarette, oui, non, parce que je refume un petit peu, ce qui est pas bien. Et puis après, je vais les rejoindre. Enfin, j'arrive une demi-heure en avance, ce qui est normal. Et puis, voilà. Je vais rejoindre mes chers et tendres. Il y en a une qui malheureusement a dû annuler parce que c'est le ramadan et qu'elle savait pas quand est-ce que ça allait tomber. Et du coup. C'est un petit peu dommage, mais ça tombe mal. J'ai l'impression d'être complètement tarée à tenir ma tige là. En attendant, c'est bien pratique pour faire les vlogs et tout. Bon, je refilme un petit peu après. Alors, Pauline, contente d'être là. Je vais me cacher. Mademoiselle, contente d'être là. Tu passes une bonne soirée. Tu as ta petite pizza de prête. J'ai faim. Et toi, contente d'être là? Oui. Tu passes une bonne soirée, ça va? T'es pas déçue? Non. Et là, elle dit ouais. Ouais. Non, mais... ouais, c'est clair. Franchement, elle est tombée. Je suis dégoûtée là. Mais bon, je vais être polie, je vais rien dire. Et toi? Alors, du coup, toi, ton blog, c'est Naomili.com. Naomili.com, donc vous pourrez aller voir si vous voulez. Elle fait des jolies tenues puisque c'est une modeuse. Et la Miss Singuette, le petit bébé avec des beaux cheveux. Et là, elles ont toutes faim. Elles me disent bon, c'est bien mignon, mais on a la dalle. Voilà, donc on va manger. Coucou à tous. Aujourd'hui, quelques mots pour vous parler, revenir sur l'événement. La soirée pizza en fait qui s'est déroulée pas jeudi là mais jeudi d'avant sur Reims à la Storia rue Jean Jaurès, tout simplement pour remercier celles qui sont venues. Malheureusement il y a eu quelques désistements à cause du ramadan, donc ça je le comprends tout à fait. Il y a eu des désistements pour cause d'intendance on va dire, et encore une fois les personnes qui m'ont prévenue je remercie. J'apprécie un petit peu moins celles qui n'ont pas prévenu, mais bon, c'est tout. Donc je voulais revenir sur cet événement parce que j'avais très très envie de rencontrer certaines d'entre vous et j'étais super contente. On était 8 je crois et attendez que je dise pas de bêtises, 7 exactement, et c'était vraiment super. Moi j'ai adoré, franchement je pense que les abonnés qui étaient présents vous le diront, moi j'avais l'impression d'être avec mes potes parce qu'il y a eu tout de suite une complicité qui s'est installée. Alors, je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil parce que j'ai envie de filmer une autre vidéo qui m'a fait pleurer, vous le verrez avant ou après, enfin bref. Vous me connaissez, hein, pleureuse. Donc en fait, ça s'est super bien passé. Moi, il y a eu une complicité. Moi, j'avais peur de ça, que personne ne se parle, qu'il y ait des blancs, que ce soit un petit peu...
question à sens unique, ben voilà, et pas du tout. Alors au début c'est toujours un peu froid parce que ben on sait pas quoi se dire, et j'ai tout de suite essayé de décoincer le truc, parce que même moi, avec vous me voyez en vidéo, mais quand je connais pas les gens, ben j'ai forcément un peu de timidité comme tout le monde, et en plus les gens viennent te voir, donc c'est super sympa. Donc il y a les trois filles justement qui sont venues exprès d'Épernay, j'étais hyper touchée parce que voilà, elles sont venues d'Épernay pour ça, juste pour une pizza avec moi, et elles étaient géniales, et même Naomi Ellie, enfin super super sympa, Pauline, enfin voilà, c'était vraiment génial. Moi j'ai passé une soirée en or, on a tellement rigolé, enfin vous pouvez même pas imaginer comment on a rigolé. On n'a pas arrêté parce que je pense qu'on avait toutes des caractères un petit peu similaires, et je suis trop contente de pouvoir voir mes abonnés en fait, et me rendre compte que derrière, bah, si elles me suivent, c'est peut-être parce qu'elles ont un caractère un peu similaire, un peu fofolle et tout. Et franchement, c'était super, super, super. On s'est éclaté. Enfin, moi je pense aussi qu'elles se sont éclatées. Donc, on refait un pique-nique le 8 août à Reims. Là, pareil, on sera une dizaine. Donc, là pour l'instant, il reste une seule place, je crois. Les autres sont déjà inscrits sur ma boîte mail. Excusez-moi pour mon œil, je sais que c'est un peu pénible, mais voilà. Ben voilà, juste pour vous signifier que je vous remercie d'être venu, que franchement c'était génial. J'en ai même parlé pendant une bonne heure à mon copain en rentrant, j'étais tellement excitée, j'ai eu du mal à m'endormir, j'ai dit mais c'était tellement génial, j'étais pleine d'émotions. Je me suis dit c'était tellement génial de les rencontrer, et tellement au-delà de ce que j'imaginais, enfin une complicité, on était entre copines, on a rigolé avec des hommes qui arrêtaient pas à chaque fois de faire des commentaires en passant, en dragouillant, c'était trop rigolo, enfin... Voilà, en plus avec l'Astoria, toujours les bras ouverts, toujours sympa. Christina, merci, merci à l'équipe, merci à Bruno, enfin c'était génial. Comme d'hab chez vous, de toute façon à chaque fois c'est génial. Et voilà, donc j'avais filmé un petit peu un vlog, donc je vous le mettrai avant ou après le montage, je sais pas trop. Et une toute mini vidéo avec elle, parce que bah voilà, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise en vidéo, donc j'allais pas faire la relou quoi. En tout cas, merci encore, merci pour tout l'amour que vous me communiquez, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, parce que là, je sais pas, ces derniers temps, ça arrête pas d'enfler, bah je suis trop contente, et du coup, bah j'ai hâte d'être au 8 août, parce que là, on fait un pique-nique sur au parc Le Lagrange, où il y a un espèce de petit coin d'eau, enfin ça va être génial, et en plus, j'ai quelques partenaires qui participent pour leur offrir des cadeaux, donc j'ai juste... trop hâte de les retrouver, voilà, c'est trop d'amour, les abonnés c'est trop d'amour, et nous on voit des choses virtuelles, et quand on vous voit et que c'est encore plus réel, et ben ça fait du bien, vous imaginez pas, on a encore plus envie de le faire, on a encore plus envie de vous faire plaisir, et on se dit que, bah, qu'on rencontre d'autres personnes, ça nous fait des amis, des copines, des amis, enfin voilà, c'est juste trop bien. Et voilà, j'espère franchement faire encore plein de rencontres comme ça. Je les appelle pas en fait meet-up, parce que c'est pas un meet-up, c'est juste des petits événements entre copines, entre amis. Et j'en organiserai d'autres, parce que je veux vraiment à chaque fois que ce soit un petit comité. Mais de toute façon, j'ai pas la prétention d'attirer 100 000 personnes, je suis une petite chaîne. Mais le fait que ce soit petit comme ça, les gens ont plus de facilité à interagir entre eux. Et franchement, la complicité qu'il y a eu, mais je rêvais que de ça. Et j'espère que ce sera pareil au 8, et j'en referai une, je pense, pour la rentrée. Faut que je trouve le thème, ce sera peut-être la piscine, enfin je sais pas. En tout cas, merci de tout votre amour, merci, c'était génial, et bah, plein de gros bisous à vous tous. Mouah!